qu'il faudrait arrêter cette psychose. Pour la bonne raison, c'est que les scientifiques s'accordent à dire que le muscle, donc là, que nous commercialisons, le beefsteak et les roast beef, il n'y a aucun danger. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les artisans bouchers, eux, travaillent que des races à viande et non des races de troupeaux laitiers. Et les races à viande n'ont jamais mangé de farine, à ma connaissance. Je pense que les maires ont fait une mauvaise action en disant qu'on distribuerait plus de bœuf dans les cantines, plutôt que de demander à leurs fournisseurs une bonne traçabilité des marchandises qu'ils recevaient au niveau du bœuf et d'avoir une sécurité de la traçabilité. Moi, actuellement, je suis descendu à 50% dans le bœuf, hein. Carrément, parce que l'entrecôte, on n'en vend plus. Le steak haché, bah, la clientèle, pourquoi ? Qu'elle irait donner de la viande de bœuf à leurs enfants alors que dans les cantines on ne veut plus leur en donner. C'est une réaction tout à fait normale du consommateur, hein. C'est logique ça. Hein. The level of BSE in France by comparison is quite low. The cause for concern, of course, is that level has been rising slowly over the last number of weeks and months. But that is principally because, I think, that France has started the random testing that has been required by European Union law to be implemented by next January. France has started that early, started last June. But that's why this information is coming through now.